La Vénus du gaz, c'est une œuvre qui date de 1945. Et en 1945, ça fait déjà plus de 30 ans que Picasso travaille avec des objets du quotidien qu'il intègre dans sa pratique. En fait, il prend un brûleur de gaz qui habituellement est à la position horizontale et il le redresse verticalement. Donc c'est le seul geste qu'il effectue. Et ce faisant, et en nommant l'œuvre la Vénus du gaz, il invite le spectateur à reconnaître dans ce brûleur de gaz une forme qui est un peu plus anthropomorphique, où on a l'impression de voir une petite tête, un corps très rond qui pourrait évoquer la déesse Vénus.